Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyon Bonne. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous tout simplement, activez la cloche également pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Cette vidéo concerne les femmes. Mes frères et sœurs, mes frères, je sais que vous êtes fâchés parce qu'aujourd'hui on va parler des femmes, mais ne soyez pas fâchés. Ça concerne les femmes, les filles. Oh, mes sœurs, je vous en prie. Ne ressemblez pas au siècle présent. Ne cherchez pas à ressembler aux gens, à tout ce qui se passe dans ce monde. Ne cherchez pas à ressembler aux gens qui se mettent des fonds de teint, qui mettent des faux cheveux, qui font toutes sortes de trucs bizarres, de tatouages, toutes ces histoires que Dieu n'aime pas. Parce que ceci, le Seigneur a dit de ne pas faire ces choses, c'est parce que ces choses ont des conséquences graves sur nous. Je vous en prie, mes frères et sœurs, mes sœurs, je me mets en genoux. Regardez, ma chaussure est là. Hein? Je me mets en genoux. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, je vous en prie. Arrêtez toutes ces choses-là. Toutes ces histoires de mèches, de make-up, de toutes ces histoires. Je vous en prie. Abandonnez cela, c'est pour votre propre bien. Bon, peut-être que jusqu'à là, tu ne comprends pas. Bon, suis-moi, viens. Suivez-moi. Regardez à l'écran. Est-ce que vous voyez cette femme? Est-ce que vous la voyez? Non, peut-être que vous ne la voyez pas bien. Regardez, 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 regardez là. J'appelle un peu, voilà. Regardez sa tête. Regardez bien. Vous me voyez? Je suis là, regardez. Regardez. Waouh. Bon, regardez encore. Elle a perdu tous ses cheveux. Regardez. Elle a perdu tous ses cheveux. Tout, tout perdu. Regardez. Oh mon Dieu. Elle a perdu. Elle a perdu. Elle a perdu tous ses cheveux. Tout perdu. Et elle se présente à vous pour vous dire que ces choses, vous devez les laisser parce qu'il y a des conséquences graves. Regardez comment elle est sous l'émotion. Regardez. Et son argent ne peut plus lui faire pousser ses cheveux. Tout ce qu'elle a, sa richesse ne peut pas lui permettre de faire pousser ses cheveux. Elle est tout simplement condamnée à rester comme ça. Regardez. Condamnée à rester dans cet état-là. Et elle est en train de carrément se lamenter, s'inquiéter. Waouh! Regardez, ça c'est vraiment, vous comprenez pourquoi mes frères et soeurs, que c'est un message pour toutes les femmes. Regardez vous-même, regardez. Waouh! Waouh! Regardez, regardez, regardez. Vous avez vu ce qu'elle vient de montrer? On revient. Regardez, 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 regardez. Elle vous présente quoi? Des mèches. Elle est condamnée à avoir ces mèches-là sur la tête parce qu'elle ne peut pas sortir avec une tête, une apparence pareille. Vous voyez ce que ça donne? Regardez, regardez. Waouh! Regardez, elle a jeté les mèches sur le sol. Ça veut dire aujourd'hui, elle est en train de se battre. Elle est en train de se battre pour réveiller mes frères et sœurs, les sœurs sur cette histoire. Les filles, les jeunes filles qui mettent des make-up, qui mettent des faux cheveux, toutes ces choses. Regardez encore, regardez, regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez, regardez ça. Oh non! Au fait de regarder simplement l'image déjà, ça nous fait déjà peur. Regardez, regardez, regardez. Oh non! Ok, peut-être que là au moins, tu commences à comprendre. Quand j'ai fait cette vidéo ce jour-là pour vous dire que mes soeurs, vous êtes jolies, je vous aime. Je vous aime tel que vous êtes, naturel. Ça me plaît. Tu es jolie. Ne fais pas toutes ces choses. Ah! Et... Le diable a inventé toutes ces histoires pour pousser l'homme à faire ce que Dieu ne veut pas. Alors que ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois heureux. C'est que tu sois heureuse. Bon, comme je m'adresse à ma soeur, c'est que tu sois heureuse.
Tes cheveux que tu as là, c'est propre. Tu peux nettoyer tes cheveux tranquillement et concevoir tes propres cheveux, évoluer avec tes cheveux. Tu vas dire que tes cheveux, ça se casse. Faut qu'on vous dise, ça se casse, ça se tord, ça se fait comme ça, ça se fait comme ça. Donc tu vas mettre une mèche dessus pour embellir. Mais et si ça devient comme ça, qu'est-ce que tu vas préférer? Cette soeur même qui est là, son témoignage m'a tellement touché que je me suis dit, Nyons Rebond s'est dit qu'on ne peut pas nous asseoir sur ça. Il faut qu'on revienne ici pour sauver la vie de plein de femmes, de plein de filles, de plein de personnes ici. Mes frères et sœurs, mes sœurs, je vous en prie, je vous en prie, que cela réveille vos yeux et que vous preniez la décision de votre vie aujourd'hui. Quelle serait votre décision? Les produits de beauté, les pommades, toutes ces choses qu'on prend pour nous se dépigmenter, pour se dépigmenter, à quoi ça sert? Oh, là encore, il y a un problème. Là, c'est une histoire vraie que j'ai vue. Je vous raconte l'histoire. Pour commencer, les produits de beauté, toutes ces histoires-là qui existent, qui attirent le monde, beaucoup de ces produits proviennent du monde sous-marin, du monde des sirènes. Et les faux cheveux, les cheveux que les gens ont sur la tête, en général, ce sont des choses qui viennent du monde sous-marin. En fait, le diable a vu des sirènes qui sont chétives, qui sont malades. Et comme elles ont de leurs longs cheveux, il a décidé de prendre ces cheveux-là et les amener sur la terre dans des industries qui sont pilotées par des satanistes. Et ces industries-là nettoient ces cheveux, lavent ces cheveux-là, ou encore ces mèches-là, qu'ils donnent à qui ils les vendent. Et beaucoup de personnes prennent ces cheveux. Non seulement en mettant ces cheveux sur ta tête, tu vas t'attirer des démons, ça veut dire que le diable pourra facilement te contrôler à partir de ses cheveux, mais aussi tu peux avoir de tels problèmes. Les mèches, des frisages, tel produit de beauté, telle lotion, ça me plaît. Et je vais à la mode, le make-up, le machin, rouge à lèvres, rouge à nez, rouge à œil, rouge ici, rouge à quoi encore, rouge à poumon, rouge. Tout est faux sur toi, faux ongles. Faux nez. Regardez mes ongles, s'il vous plaît. Regardez mes ongles. Je suis un garçon. Je suis un homme. Mais regardez. Regardez. Est-ce que j'utilise des produits de beauté? Regardez vous-même. Bon, regardez ici. Mes soeurs, voilà, les femmes. C'est à vous qu'on s'adresse. Regardez ça. Est-ce que c'est faux? Je les ai gardés au naturel. Au naturel. Et regardez, tranquille, propre, naturel, propre, tranquille, regardez, sans rancune, classique, naturel. Quand Dieu même me regarde, il dit, ouais, c'est comme ça que j'étais conçu, c'est comme ça que j'étais créé. Ah oui, c'est ce que j'aimerais que Dieu vous dise. J'aimerais que vous soyez propre. En général, si vous voyez que j'ai dit que ce message est adressé aux femmes, c'est parce que ce sont les femmes qui sont attaquées beaucoup par le diable à ce niveau. Produits de beauté, attention à l'histoire de produits de beauté. L'histoire de pommade, là, je voulais raconter, merci de m'avoir rappelé. Une femme, voici le témoignage, une femme. C'est une histoire vraie que moi-même j'ai vue de mes propres yeux. Comme ça. Une femme. Elle a vu sa camarade au quartier. Elle est belle. Ma chérie, ta pommade là, ça s'appelle comment? Ma pommade là, ça s'appelle XXABC. Non, ou bien ça s'appelle Awa. Ou bien Adjovan. Ou bien ça s'appelle Poisson. Poisson au nuage perdu. Ah, tu as acheté où? Dans mon moment, tu as acheté. Tu mets ça à quelle dose? Tu mets ça à dose 52. Elle allait acheter la même pommade que sa camarade. Mais le problème, c'est que quand elle a utilisé cette pommade-là, les effets n'étaient pas les mêmes. Elle a commencé à avoir deux couleurs.
trois couleurs. Wow. Il y a une autre fille même. Elle-même, vous savez ce qui s'est passé avec elle. Dès qu'elle a utilisé la pommade, vous allez me dire, vous allez me donner raison ici. Elle a commencé à avoir des vergetures. Elle a commencé à avoir des brûlures. Ça a carrément brûlé la femme là. Brûlé la femme là comme ça. Quand, et c'est dans ses aisselles. Quand elle soulève comme ça sa main là, tu peux pas regarder. Je dis, tu peux pas regarder. Si tu as vu ça et que tu as vu, si tu vois ça et que tu vois le repas mais qui te plaît le plus, que tu aimes le plus au monde là, tu vas vomir sur le champ. Parce que c'est vilain à voir. C'est. Quand j'ai vu ces choses, quand j'ai vu cela, c'est comme je suis un homme, je ne vais pas pleurer, c'est ça. C'est ça. Sinon, quand j'ai vu ça, c'est-à-dire, je suis resté bouche bée, sans rien dire. Sans rien dire. C'est parce que le Seigneur nous donne l'opportunité, si on serait bonne, de parler. C'est pourquoi je vous raconte cette histoire, sinon, je n'ai pas encore dit ça à quelqu'un. Alors qu'elle était belle. Ta couleur, tu es noire. Ton teint là, c'est propre. Tu es propre. La pommade que tu vas prendre là, est-ce que ça va te garantir d'être toujours belle? Est-ce que ça va même t'arranger? Tu risques, c'est un risque que tu prends en utilisant la pommade. Peut-être ça va garder ta peau. D'autres même vont jusqu'à prendre des piqûres. Des piqûres. Il est noir, il devient blanc. Voici un problème encore qui s'est créé. Vous allez rire un peu, je ris un peu parce que ça va rire, c'est un témoignage qui va rire. C'est un message aux femmes, hein. C'est une vidéo faite pour les femmes. Cette vidéo est pour les femmes. Voici ce qui s'est passé. Vous savez que souvent, les noirs, là, les noirs, ils aiment les femmes qui sont claires, ou bien les blanches. Vous voyez, les femmes qui attirent les regards, en général tout le monde, mais en général les hommes noirs, ils aiment les femmes qui sont claires, jolies, qui attirent les regards, qui ressemblent aux sirènes, là. Voilà. Voici qu'un homme est tombé sur une femme comme ça, claire, jolie. Et il a eu des rapports sexuels avec cette femme-là. Maintenant, lui, il a eu des rapports avec cette femme-là. L'enfant la sort. L'enfant là est noir. Tous les enfants là sont noirs. Il dit, toi, pourquoi tous les enfants là sont noirs? T'es clair, non? Au moins, il doit poser des noms. Ou bien c'est moi, mon enfant. Alors que toi, tu es trop clair comme ça. Moi, je voulais avoir une femme. Je voulais avoir au moins un enfant qui est posé. Comme moi, je suis noir, j'ai moins posé. Non, bien métisse. Vous voyez? Alors qu'à l'origine, cette fille en question, elle est noire. Cette fille-là, son papa est noir, sa maman est noire. Donc, ça ne peut pas donner forcément noir. Blanc, clair, je ne sais pas. Vous voyez, elle a utilisé des produits et elle a caché ça. Le monsieur dit, je vais divorcer. Vous voyez, tu es noir, tu cherches clair, tu as trouvé maintenant. Bon, ok, franchement, nous rions, mais waouh, cette vidéo m'a vraiment choqué. Ça m'a choqué, hein. Ça m'a choqué. Surtout, voir cette femme-là, vraiment, ça m'a attristé un peu. Mais il faut que je t'aie mis cette vidéo avec la joie pour te dire, parce que je sais que quand vous regarderez cette vidéo, vous prendrez la décision de faire attention à votre vie, de faire attention à ce que vous utilisez, ou encore décision de votre vie. Car vos décisions influenceront votre devenir, votre avenir, ou encore tout ce que vous allez faire dans votre vie. Ta décision peut te conduire à la mort et ça peut te conduire à la vie. Moi, je te présente la vie ici. Lorsque bon, tout le monde, toute l'équipe vous présente la vie pour vous dire, acceptez Jésus-Christ, suivez le commandement de Dieu, car c'est fait pour nous aider. Lorsque bon. En dessous de cette vidéo, c'est tout s'abonner. Clique là sur abonne-toi, active également la cloche, ne pas manquer nos prochaines vidéos qui vont sans doute t'étonner ou encore te réveiller. T'ouvrir les yeux comme ça. À bientôt.
n'y inscris pas vraiment.